Hello les gens, c'est LeTheLag, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va super long, on se retrouve sur iPixel, nous allons faire un petit peu de Bed Wars. Vous commencez un petit peu à connaître le jeu, mais écoutez, on va quand même approfondir, on est sur le lobby de Noël, voilà, le nouveau lobby. Bon bah je vous laisse un petit peu admirer. Moi franchement je le trouve sympathique, mais de toute façon ça va pas trop durer, mais il est sympathique en tout cas. Bref, du coup les gens, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est qu'on va se faire une game ou deux de Bed Wars, voilà, comme d'habitude un petit peu. On va essayer de voir comment on peut gagner, comment on peut s'en sortir là-dedans, si on n'a pas trop perdu de niveau entre temps. Et puis écoutez, du coup on verra tout ça aujourd'hui, je vous souhaite un excellent visionnage et écoutez, c'est parti. En attendant, je propose juste un mini opening d'une Crafted Mystery Box. C'est un truc qui est hyper rare, ça coûte super cher sur ce jeu. Ça coûte 300 Mystery Dust, donc ceux qui savent pas ce que c'est une monnaie du jeu un petit peu. Du coup, on va espérer avoir un truc bien. Si on a un truc bien, mettez un like, voilà, c'est comme ça, je le dis, je l'annonce. Attention, c'est parti, on peut toujours avoir des trucs que j'ai déjà, donc je me méfie, mais bon, écoutez, avec un peu de chance, on va tomber sur un truc bien. Ça se tourne de quel côté? Voilà, ça se tourne de là. Du coup, qu'est-ce qu'on va avoir cette fois-ci? Il y a la box qui commence à monter, attention. Et nous avons... Et putain de merde, je l'ai déjà. En fait, vous pouvez toujours mettre le like pour me soutenir, je crois que j'en aurais plus besoin dans ce sens-là. Ok, du coup les gens, on est parti, ça vient de commencer, on se prend le petit stuff, donc on a des wrap present. Alors qu'est-ce que ça va nous donner? Gift wish list, qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est stylé, mais ça me sert à quoi? Give this trick to whoever you are looking for. Attends, quoi? Alors attendez, si je comprends bien, il faut que je rende ce machin à quelqu'un sur la map. Qu'est-ce que c'est que ce délire? ouais, mais il est où ton monsieur sur la map? Parce que là, je vous avoue, j'arrive. Ah ouais, d'accord, genre ils ont tout fait. Ah ouais, ils se sont mis sur Noël à fond, les gars. Donc en fait, je crois qu'il y a des mobs en plein milieu des maps à chaque fois. Et il faut aller leur donner des trucs comme ça, des livres comme ça à certains gens. Et puis voilà. Encore une gift wish list. Donc ok, bah voilà. Ok, du coup, on a deux gift wish list pour l'instant. Donc je pense qu'on va essayer d'en collecter le max possible. Et puis après, on ira aller lui donner. Je sais pas si c'est pour lui, mais en tout cas, on lui en donnera. On essaiera. Bref, du coup, on va crafter les petits blocs habituels, un peu de vitre qui résiste aux explosions. Hop là, ça. On va attendre encore d'avoir de quoi s'acheter de la vitre supplémentaire. Encore un cadeau, qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? Ah, on a cette fois-ci, on a du lait. Ok. Donc il y a différents items, donc je pense qu'il y a différents personnages en fait. Ouais, chaque personnage a son item spécifique, donc va falloir qu'on trouve le nôtre pour ce... pour nos present gifts là, donc bah écoutez, on verra. Bref, du coup, on va faire notre base artisanale, on place le verre anti-TNT juste là. Ok, du coup, maintenant qu'on a ça, on va avancer la base, comme d'hab, on va faire un truc un petit peu artistique, évidemment. Vous commencez à me connaître, j'ai envie de dire. Hop, encore ça va, là on reste dans des trucs normaux, sauf si je fais genre ça. Par exemple, là, après, on s'éloigne du normal, je suis d'accord avec vous. Bon, on va encore placer des blocs, hop. Voilà, là c'est mon genre de base. Là je reconnais mon style. Voilà, là on est habitué. Le mec, il est habitué à faire des bases moches. C'est... Oh non, ça c'est joli. Ah, qu'est-ce que c'est que ça toi? Bon bref, du coup là on a bien notre truc un peu dégueulasse. On est habitué. C'est nickel. Mais en tout cas, je pense que plus c'est dégueulasse, plus ça protège d'après mon expérience. Donc écoutez, c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? Encore du lait. Donc on a deux fois du lait, deux fois les presents. Donc bah écoutez, on verra ce qu'on peut en faire. Go se mettre ça ici, go se ranger ça là, et puis les deux voir qui veut le lait. Alors lui, il veut le fancy frost hat, donc déjà c'est pas notre truc, hein, nous on n'a pas ça. Bon, on va essayer de trouver celui qui voudrait pas un petit peu de lait ou un petit peu de machin là, de livre. Hein. Ça peut être sympathique, non? Oh, par contre, il y a quelqu'un qui a des... Ah non, j'ai cru qu'il avait des boules de neige, j'ai eu peur, j'ai un petit peu flippé, je me suis dit non, c'est mort. Bon, du coup, monsieur, t'es bien sympa, mais si tu voulais éviter de monter, genre ce serait sympa, parce que là, c'est pas que je commence un petit peu à m'ennuyer. En train de monter, mais quand même au bout d'un moment. Alors attendez, la technique ça va être de faire hop et voilà. Alors attendez, hop nickel. Est-ce que toi tu veux pas du... Non, oh merde, j'ai plus de blocs. Oh, j'ai plus de blocs. Non mais je... Non, c'est mort. Eh merde, on avait tous nos stuff. Dommage. Bon, du coup, go rechoper du stuff. On a deux presents. On a encore un lait, encore une liste. Ok, on a vraiment beaucoup de ça, j'ai l'impression. On va se faire une armure en fer. Vous savez quoi? Comme ça, on sera bien là-dessus. Hop là. Nickel. Et on va défendre notre base contre l'autre abruti là, qui va probablement se ramener d'ici 2 secondes. Non, ça va. Bon, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit pont qui est un petit peu plus... relié facilement, on va dire, entre guillemets. Hop. Voilà.
Et maintenant, go lui détruire sa base. La technique, du coup, ça va être de s'approcher en toute discrétion. Ok, bon, la discrétion, on va oublier. Tu vas genre virer dans le vide. Ça t'intéresse pas, une petite virée dans le vide, SpaceX, tout ça. Ok, bon. Ok, c'est bon, let's go. On casse le bed, c'est bon, nickel. On va l'attendre un petit carrefour juste ici. Voilà, attendre qu'il sorte. Je suis sûr qu'il m'a pas vu. Yes. C'est le moment de se passer derrière lui. Le mec il m'a pas vu. Bon, écoutez, good, on va aller lui démolir sa race. Hop là, voilà. Et puis adios. Bon voyage. Le mec il dit quand même bon voyage. T'es, il est quand même sympathique, mais pas trop. Il tue les gens, mais il est gentil. Bref, du coup, il y a beaucoup de trucs là-dedans. Oh, il y a plein de. Oh, mais c'est good ça. C'est good, c'est good. Hop, on prend ça. Alors, pourquoi il y a un bucket? Ça, on s'en tape. Il y a plein de gift wish list. Ok, bon, go s'acheter les épées tranchants et la petite armure renforcée quand même, parce que ce serait pas mal. On a encore 3 cadeaux à ouvrir, attention. Premier cadeau, nous avons un casque. Ah, le Fancy Frost Hat. Un truc et encore du lait. Alors, on va vraiment falloir trouver celui qui veut le lait et celui qui veut la gift wishlist, parce que là, on en a vraiment des masses. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait s'améliorer maintenant? Est-ce qu'on pourrait pas se prendre quelque chose d'intéressant un petit peu? Bon, vas-y, go se prendre une épée. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses à s'acheter dès le début, mais bon, écoutez, on est fou, voilà, allez, c'est parti. Hop, on a ça, nous faudrait de la TNT éventuellement aussi, peut-être, mais bon, c'est pas grave, en plus on passe. Ok, du coup, je crois qu'on a assez pour s'acheter une petite TNT, comme ça on sera... Ah bah non, c'est 4, ok. Ok, c'est bon, nickel, on a de quoi s'acheter la petite TNT, on va faire exploser les ennemis quand même. Vous commencez à me connaître, c'est quand même un petit peu dans mes cordes hein, de faire exploser les gens, c'est pas nouveau, donc écoutez, on va quand même rester un petit peu dans la tradition, j'ai envie de vous dire, ça fait pas plus de mal que ça. Toi, prends ton chapeau, voilà, et puis voilà, bonne soirée. Bon, du coup, hop, on va monter par là, on se fait le petit puntos. Alors, où est-ce qu'il est celui qui veut le lait? Est-ce que c'est toi qui veux du lait? Alors, lui, il veut la gift wishlist, donc on va aller lui apporter tout ce qu'on a comme gift wishlist, là, parce qu'on en a 50 tonnes. Hop, j'espère que tu vas être content, parce que là, franchement, il y a de quoi te nourrir pendant une année en gift wishlist, donc voilà. Hein. Hop, un. Ah bah, je lui ai tout donné d'un coup, d'accord, bon, bah, nickel. J'espère que ça lui a suffi, j'espère que j'aurai peut-être une petite récompense, hein. Ce serait sympathique entre nous, quand même. Bon, du coup, on continue, faut qu'on arrive à trouver... des éventuels ennemis. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un à ma base, mais non, ça va, j'ai cru voir un pseudo. Je deviens parano, c'est comme ça les Bedwars. Bon, du coup là-bas, il y a le mec qui voulait ça, on l'a trouvé. Maintenant, il faut qu'on trouve celui qui veut les seaux de lait. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est ce petit monsieur? Est-ce que tu veux du lait? Ah, bah voilà, il est là. Ok, allez, monsieur le petit biscuit, tu vas avoir ton lait. Satisfaction pour toi, on arrive. Hop là. Et voilà, nickel. Bon, il a eu son lait, je pense que c'est bon, ça lui aura suffi. J'ai cru que c'était mon lit qui s'était fait destroy pendant un instant, mais c'est bon. Lui, il a plus de lit, donc c'est bien le moment d'aller le tuer. Il se doute pas que je suis là. Hop, vas-y, faut qu'on arrive à le tuer. Faut vraiment qu'on arrive à le tuer, c'est sa dernière vie. Yeah, non. Oh non. Est-ce que vous avez entendu? J'étais en mode yes, et bah non. Voilà, c'était la déception illustrée vraiment en direct, là. C'était spécial. Bon, du coup, go se racheter une Iron Sword, go s'acheter quelques trucs de TNT. On a perdu beaucoup d'émeraudes, beaucoup de diamants, c'est vraiment dommage à ce niveau-là. Enfin, le problème, c'est surtout qu'en fait, on lui a refilé les émeraudes et les diamants. À la limite qu'on les perde dans le vide ou quoi, bon, bah, ok, mais là, le problème, c'est que c'est lui qui les chope. Bon, c'est pas grave, on continue, on passe par là, comme d'hab, tranquille. On a notre petit chemin tout tracé, on va se choper les 4 diamants ici. Du coup, je sais pas qui on va pouvoir se tuer, mais on va essayer de tuer quelqu'un, moi, ce serait pas mal. Ou au moins de casser un lit. Au moins de casser un lit, déjà, ce serait cool. Est-ce que là, il y a du lit à casser? Non. Bon, faut qu'on trouve un lit à casser, il y a les aqua... Ah bah non, c'est bon. Le mec... Oh, ok, je pense qu'on peut se tuer nous-mêmes. Franchement, ça me paraît être un bon plan, les gars, là. Ouh, parti. Ok, du coup, faut qu'on retrouve juste les gris. C'est la dernière base qui a officiellement son lit. Ok, ils sont juste là-bas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir en toute discrétion par là. Hop, on se fait le petit pont tranquillement. Et puis du coup, on se retrouve d'ici 50 ans à peu près. Voilà, parce que je fais des ponts très très lents. Ok, donc on a une petite complication. Le mec vient de se faire tuer, donc il va respawn à sa base. Mais c'est pas grave, on va s'en occuper quand même. Hop, alors, go placer la petite TNT. Voilà, là, ça c'est fait. Hop. Donc là, on casse le bed, on casse le bed. C'est bon, on a le bed. Yes! Ah yes, ça fait plaisir, on a le bed. Et il reste qu'un joueur à tuer. Évidemment, on a utilisé notre TNT, donc ça, je suis content parce que je voulais l'utiliser. J'aime bien la TNT, comme vous le savez. Du coup, là, on peut s'acheter encore quelques petits trucs. On s'achète une petite épée, puis go se le fracasser. Hein. Hop, on se fait ça comme ça.
On va partir là-dessus, ça me paraît pas mal. Du coup, en route vers le middle, je pense qu'il doit être vers là-bas ou pas trop loin. J'espère juste qu'il aura pas l'idée machiavélique de s'acheter la potion d'invisibilité et puis d'aller me défoncer ma base parce que concrètement, ça serait pas extrêmement sympathique quand même. Hein. Bon, du coup, maintenant, mission, repérer cet abruti, ce gentil type. Hein, voilà. Est-ce que... Non, ce serait trop beau qu'il soit juste là. Attendez. Il est vraiment là? Attendez. Attendez, faut que je vérifie. J'ai un doute. J'ai le sentiment qu'il est juste à sa base, ce petit crétin. Ah ben non, mais je suis cool. Pourquoi je vais regarder là-bas? Il a dû... S'il est parti, au moins, il serait certainement parti par là. Ah, il s'est barré. Il s'est barré parce qu'il y a un pont qui chevauche mon pont. Donc forcément, il est parti. Je sais pas comment on va gérer ça. Là, le risque est très très élevé qu'il soit justement à ma base. En fait, c'est ça qui me plaît pas trop dans l'idée. Du coup, go s'acheter deux potions d'invisibilité. On va essayer d'aller l'avoir à son propre jeu. Peut-être s'il veut la jouer à invisibilité. Du coup, on a les petites potions qui font plaisir. Là, il va pas être bien hein, si on les utilise. Je vous le dis, il va pas être bien. Ok, je l'ai repéré. Il est juste là-bas. Regardez, il est en train de foncer vers notre base littéralement. Là, on a plus de temps à perdre, les gens. C'est le moment de se dépêcher. Donc là, je prends ma petite potion d'invisibilité. J'espère que vous êtes prêts. Parce que là, ok, là j'ai plus de lit, mais vous allez voir. Parce que vu que je suis en invisibilité, bah, c'est logique, il peut pas me voir. Regardez, hop, on arrive tout discrètement par ici. Voilà. Et attention, hop là, voilà, salut. C'est comme ça qu'on joue. Oh, mais je suis vraiment la pire des putes, mais c'est pas grave, c'est marrant. C'est... Oh, le pauvre, j'ai presque de la peine pour lui. Mais en même temps, il est quand même venu me casser mon lit, donc de la peine, au final, j'en ai pas tellement. Hein. Je vous avouerai que là, voilà. Hein. Bon bah du coup on peut s'applaudir, on a quand même réussi à pas mal le défoncer, il est un petit peu décédé, on a gagné la game, première game que je fais depuis un bon mois, non peut-être pas un mois quand même, mais genre depuis deux bonnes semaines c'est la première game que je fais, donc franchement c'est tranquille, pour un retour en Bed Wars c'est tranquille. Bref du coup les gens je pense qu'on va se laisser là-dessus, la game a duré un petit peu de temps quand même, donc je pense que ça suffit largement pour une petite vidéo. On se retrouve demain pour d'autres nouveaux jeux inédits sur la chaîne. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo parce qu'en ce moment je pense que vous l'avez remarqué, mais les vues c'est pas trop ça, mais c'est normal, après on est de retour après un long mois d'absence, donc c'est normal que les gens ne soient plus trop là. Mais écoutez, pour les faire revenir n'hésitez pas à partager la vidéo, c'est justement à ça aussi que ça va servir. Et puis moi du coup les gens je vous invite aussi à mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir, parce que c'est sympa. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, on est déjà presque 23 000, c'est oufissime. Merci à tous. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, on a dépassé les 1000 abonnés récemment sur Twitter, donc ça c'est good. Et puis moi du coup les gens, je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit, ça dépend du moment auquel vous regardez cette vidéo comme je le dis toujours. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo, c'était Léo The Luck. Ciao ciao.